Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au petit message quotidien. J'espère que vous appréciez ça. J'ai commencé ça tout récemment, vous le savez. Mettez-moi ça dans les commentaires si vous aimez ça, cette petite formule-là, pour vous apporter des petits messages du matin. J'aimerais ça les mettre plus tôt, mais on dirait que vous êtes plus friands de m'écouter sur l'heure du midi. Alors, écoutez, c'est pas grave. Votre énergie de la journée, dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Oui, parce que vous savez que pour moi, hein, c'est pas la première fois que vous m'entendez dire ça, que pour moi, la gratitude, c'est la mère de l'abondance. Dans les deux sens, hein, la mère, notre mère maternelle, si on veut, et la mère, l'océan. Donc, c'est vraiment de cette façon-là, plus vous allez remercier, plus vous allez avoir de la gratitude pour ce que vous avez dans votre vie, pour ce que l'univers ou la vie vous apporte, et plus vous allez avoir de l'abondance, plus vous allez recevoir. C'est de cette façon-là aussi que vous récoltez, en fait, ce que vous avez semé. Donc, prévoyez du temps pour récolter, justement. Ouvrez-vous s'il y a des gens qui veulent vous aider. Acceptez leur aide. Quelqu'un veut vous donner un conseil. Tout est bon pour vous aujourd'hui. On va aller voir les possibilités pour vous aujourd'hui. Quelles seront les possibilités pour vous aujourd'hui? Initiation. Vous progressez et expérimentez en osmose avec vous-même. Ben, parfait, vous êtes sur la bonne voie. Ça me dit que vous travaillez sur quelque chose. En tout cas, votre activité principale, ça vous permet d'expérimenter puis que vous progressez et que vous êtes en osmose avec vous-même. Donc, tout va bien. Vous êtes vraiment dans l'harmonie. On va aller voir une petite réflexion du pouvoir de l'amour. Sur quoi est-ce qu'on voudrait vous faire une petite réflexion qui, on ne sait jamais, pourrait vous aider, que vous soyez en couple ou célibataire ici. Ça n'a pas d'importance, peu importe votre situation amoureuse. Détachement. Vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Alors, ben bravo, félicitations, c'est déjà bien de laisser les vieux schémas, de laisser les façons de fonctionner pour avancer dans vos relations affectives et de vous ouvrir à des nouvelles qui sont plus élevées et donc qui vont faire progresser au niveau de l'amour puis peut-être comprendre d'autres choses sentimentalement parlant ou tout simplement affectivement. On va aller voir maintenant un petit message de votre avenir. Qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire, votre avenir pour aujourd'hui? Un voyage inattendu arrive. Super! Il y en a qui pourraient faire un petit voyage inattendu. C'est magnifique. Je vous le souhaite, surtout si vous en avez envie. C'est jamais trop. Moi, les petits voyages, je suis toujours prête pour ça. Je sais pas vous autres, mais bon. Et je laisse la parole pour terminer ce petit tirage à votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il veut vous dire pour aujourd'hui, votre ange gardien? L'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Je trouve que c'est un beau complément avec le détachement parce que puisque vous vous détachez des anciennes façons qui possiblement ne vous étaient pas
peut-être très avantageux pour vous. Donc, vous avez compris des choses, vous avez certainement guéri des choses, réglé des choses du passé, du côté affectif. Donc, puisque vous vous en allez vers un idéal plus élevé sur l'amour, ben oui, c'est vrai que l'amour demande des efforts, hein, il faut mettre de l'eau dans notre vin, ça demande parfois d'être compréhensif. Mais quand on est en relation en même temps, c'est une relation de vie, si on parle d'une relation amoureuse. Donc, effectivement, c'est bien de mettre les efforts pour garder notre relation. Et on vous dit que si vous êtes pas dans une, que vous soyez dans une relation ou pas, que dans le futur, ça va être beaucoup plus épanoui pour vous en y consacrant les efforts nécessaires et que votre ange est d'accord avec vous. Vous méritez que le mieux en amour. Alors, c'est magnifique. J'espère que ce petit tirage vous a fait plaisir. Je vous souhaite une magnifique journée. À demain!